Ok, let's go. Let's go, let's go. Il joue Glacial Augmente sur Aphelios. Je pense pas que ce soit terrible, mais... Mais on verra. On verra, on verra. On est contre un Ziggs. Attends, j'ai ma souris qui est mal placée. Yes, bon, j'ai perdu un CS. Ok, ça devrait être bon, là. C'est le même Lee Sin que la game d'avant. Oui, on est en duo avec le Lee Sin de la game d'avant, du coup. Bon, pour une fois qu'on croise des bons junglers, on va pas se priver. On est contre un Ziggs, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un match-up qui est plutôt compliqué. Parce qu'il a un DPS très 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 conséquent, il a un très bon poke, très facile à placer. Et il a un CC qui est sûrement un des meilleurs CC contre Kata, c'est-à-dire le knockback. Donc il va falloir faire attention. Le seul avantage de Ziggs, c'est qu'une fois qu'on a la Gunblade, son poke est plus très efficace. Donc si on arrive à dodge son Z, on est bien. Mais autrement, faut faire attention. Ok, nice, on arrive à dodge le... On arrive à dodge le Q-spell, sinon on aurait perdu le trade. Passe niveau 3. On va passer niveau 3 dans deux creeps. Ah, vous voyez à quel point c'est facile de poke avec Ziggs. En tout cas contre Kata, évidemment. Parce qu'il suffit de viser les CS et tu touches forcément. C'est ma référence d'outil d'entraînement. Ta référence d'outil d'entraînement, je comprends pas la ref. On va essayer de préparer une triple dague. Bah yes, merci Echo. Merci Echo d'être passé par là du coup. Un pur plaisir. Bon, j'ai vu qu'une seule stack de Dark Harvest vu que le Echo est mort trop vite. Mais c'est plutôt sympa comme trade du coup. Hein. Un Lee Sin qui gank, est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau ça, un Lee Sin qui gank? Ok, let's go. Même dans l'outil d'entraînement, il poke comme un dingue. Ah ok, ok. Pa, 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 da. Pourquoi tu la bannes, Ketsu? C'est qui troll? Ah, c'est qui spammait sa question de merde. Je croyais que c'était une question sérieuse, moi. Genre, ça se trouve, il savait pas comment choisir son skin de ward, tu vois. J'ai essayé d'aller bot. Ah. Yes, je sais pas trop ce que... Putain, dommage là. Du coup, il est mort tout seul. Ok, je retourne au mid du coup. On a une ward qui a été posée là. Elle veut quoi elle? Ah, c'est dommage que le Lee Sin ait... Et pas vu en fait ce qui se passait. Bon, ça devrait suffire normalement. J'ai une assist. Parfait. Ok, bon, my bad, j'aurais peut-être dû le ping. Je dois have pinged. Bon, he's ok. On s'en sort plutôt bien. On aurait pu ramasser un triplé hein, sur cette action si Lee Sin avait réagi. Depuis le début, les gens spamment avec des questions de mort. Ah, ok, ok. Bon, de toute façon, j'ai confiance en toi. Hein. Je sais que tu banniras pas des gens pour rien. Donc, je me doute qu'il y avait raison derrière ce bannissement. Puis, de toute façon, c'est un ban de 10 minutes. Si les gens sont pas contents, ils reviennent dans 10 minutes. Ok, let's go. On a le sabre vici, on n'est pas trop mal. Quel enculé de Lee Sin. Bah après sur ce move il a pas été très bon mais il a fait tellement de bons moves qu'on peut pas lui en vouloir tu vois. Ok il va pas tarder à récupérer sa barrière vu que nous on récupère bientôt notre ignite. Ah il joue Dark Harvest sur son Ziggs. C'est intéressant. Voilà. Ah, j'ai failli prendre deux coups de tour là dessus. Ah vraiment que ça me touche.
Comment il a su? Franchement, la logique c'était de partir par là, quoi. Comment il a su que je partirais par là, sérieux? Bon, unlucky, disons. Unlucky, unlucky, le écho est passé au moment où je suis arrivé. Pourquoi il a un double buff, le Ziggs, du coup? Il s'est passé des trucs. Barrière, up, mid, but no F, still. Ok, bon, on est un peu derrière, faut qu'on fasse gaffe. Par contre, s'il grid. Ça devrait suffire, parfait. Il avait pas de flash, hein, on le savait, vu qu'il était timé sur le nôtre. On va essayer de récupérer le écho. Je sais pas si utiliser mon Z ici, c'était pas de la merde. On va essayer de récupérer bot, du coup. Ah, ça me paraît chaud. Oh non, peut-être. Nice. Ok, nice, well play. Ça va, je vous aide à push, j'ai même pas pris un CS, tu vois. L'écho est là. Oh, il touche. Ouais, non, il rattrapera pas, je pense. Ah, quoique, s'il touche ce Q-spell. Pourquoi il m'a pas dash dessus? Pourquoi il m'a pas dash dessus, genre? Il s'est dash sur lui-même, genre, what the fuck, je suis venu pour l'aider et tout, il s'en est battu les couilles. Je voulais être sympa, je perds deux waves de grip et il s'en est battu les couilles, genre. Ok, let's go. Oh, c'est Black Rover, je crois. La musique qui passe, là. Ok, on est assez pour la Gunblade. On a un farm dégueulasse, mais on a roam. Donc, on a le droit. Mais j'ai le droit. On active le sabre vicié. De toute façon, on veut back. On le récupérera bien assez tôt. D'ailleurs, l'actif du sabre vicié, c'est le même que celui de la Gunblade ou pas? Ah, même pas en fait. Donc là, si on achète la Gunblade, l'actif il est reset. Ok. Je savais même pas ça, tu vois. Donc raison de plus d'activer le sabre vicié avant de back. Au rayon bébé. Attends, faut que je fasse gaffe à pas perdre ma tour moi, mais normalement ça devrait être bon. On va essayer. Ah, ma cam est bloquée. Ça m'arrive souvent, ça, en vrai. Que ma cam se bloque en caméra lock. Ok, c'est bon. Et du coup, je dois la faire bouger un petit peu sur la map pour que ça se débloque. What? Oh, je meurs. Il a cancel le Q-spell de Lee Sin, genre. Genre, comment il s'est fait cancel son Q-spell? Tu peux pas cancel le Q-spell de Lee Sin sans un CC, en fait. Parce que moi, dans ma tête, j'étais en mode, il s'est fait cancel. C'est-à-dire qu'il a dû utiliser son Z au perfect timing. Mais non, en fait. Pas du tout, parce qu'il l'a utilisé sur mon R, son Z. What the fuck? Un heal aurait fait la diff. Ouais, ben un heal, ça m'aurait tué sans donner le kill, genre. Ça aurait fait la diff, ouais. Ah putain. Merde. Non mais les mecs, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a des mecs qui jouent des champions forts, genre. Ferme ta gueule, joue des champions forts aussi si t'es pas content, genre. C'est quoi ces mecs, là? Hé, hey, ils veulent des champions, ils sont broken!
Eh ben, on est marre, what the fuck. Les gens, ils jouent pour gagner, je comprends pas. Oh, des connards, hein. Okay, on l'a mis low life. Il avait pas de CC, donc on en a profité pour activer l'ulti. On a assez peu d'occasions de l'activer, donc quand on peut, on le fait. Ta-ta-ra-ta-ra. Bon, ça, c'est dommage. Il ne pouvait pas grand chose, on garde la pression. Déjà mettre la pression à un Zik, c'est pas mal. Il a pas de flash, il a pas de barrière. Il rate du farm, c'est très bien. La Lulu a besoin d'aide. Enfin, je pense qu'elle devrait pas pouvoir se faire dive. On va essayer de dive le Zik à la place. Logiquement, il devrait back, mais si on arrive à récupérer la pression, on pourrait essayer d'aller dive la top lane. Ok, donc il back pas, on va préparer une triple dag du coup. Ok, nice, il utilise son CC. Le principal souci, c'est que son champion peut farm d'aussi loin, genre. Je le vois même pas qu'il peut farm, genre, c'est sympa comme interaction. C'est sympathique. Il y a Leona aussi. Il y a la petite Leona. Ok, je récupère le R, il a re son CC. Ok, on va directement rune parce que là Ziggs a clairement envie de back. Et on n'a pas de CS à perdre sur un roaming. On va back direct. J'imagine que Leona a plus de R. Le seul CC, c'est son Q-spell. Et on a eu raison. Ok, well play. Faut vite que je retourne au mid avant que le Ziggs détruise la tour. Parce que ces Ziggs, ça détruit plutôt vite les tourelles, comme vous en doutez. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. Ah, il va la détruire, là. Ouais. Ah non, c'est bon. Il a pas utilisé son Z, par contre. Faut que je fasse gaffe. On va régène sur les minions. Ok, parfait. On a réussi à défendre ça. La Gunblade ne s'est pas lancée. Après, je pourrais le tuer, là. Si grid... Il a sûrement sa barrière. Oh, il y a Leona. J'ai besoin d'aide, là. Je vais perdre ma tour, c'est sûr. Il y a Leona qui vient défendre. Oula. Ouais. Malheureusement, la tour va tomber. Oula. Il y a assez peu de chances que je meure là-dessus, mais... Dommage qu'on ait mis tant de temps à la défendre, cette pauvre tour. Il a sa barrière, hein, c'est sûr. Ouais, voilà, il avait sa barrière, c'était sûr. Malheureusement, je me suis fait CC au moment où j'ai voulu le go in. On va go Zonia, plus les bots. Bon, j'aurais du back, tant pis, la tour, on pouvait pas la récup dans tous les cas. Il n'y avait pas d'objectif derrière. Ouh, c'est greedy, ça. Ok, courez, c'est très bien. Ouh, la Lulu qui se fait all-in. Ok, très bien joué. Lee Sin qui est solide, hein. 36 000 gold. sans le CC, j'aurais eu le temps de le tuer avant qu'il ait le temps de barrière, je pense. Parce qu'il a mis longtemps à l'activer, je pense. Allez, dash, s'il te plaît. Ils sont trop rapides, les minions, aussi, c'est chiant. Hein. Avant, les minions, ils étaient pas plus rapides qu'un joueur. Après, c'est sûr que c'est bien dans plein de domaines, mais là, c'est chiant. Il faudrait qu'on arrive à détruire la mid lane. Putain, je suis allé en plein dedans, je suis trop con. Il a déjà Morello, il a deux items, vraiment. Zix qui redevient méta, ça va me casser les couilles, ça. Ça va vraiment être chiant, Zix qui redevient méta. Puis encore les assassins qui counter kata, bon ça va, mais les mages counter de kata, c'est les pires trucs. Hein.
Que vraiment, t'as juste à jouer safe et c'est bon, quoi. Tu peux faire autant d'erreurs que tu veux. Tant que tu joues safe, t'es bien. Drake up. Ok, ils l'ont cancel. Ils l'ont pas cancel. Mais je peux pas y faire grand chose, malheureusement. Ils ont Leona Ziggs. J'ai le temps de mourir, le temps des CC. Tu as une Leona assez low life, je pourrais essayer de la bait. J'ai même pas eu le temps de Zhonya, hein. C'est pour dire. T'imagines là si j'avais pu Zhonya? J'ai juste pu Ignite parce que c'est le seul truc que tu peux faire pendant un CC. Sinon, bah, j'ai rien pu faire. J'étais CC tout le long de la mort. Un plaisir. Un plaisir, comme on dit. Ok, ça va. C'est récupéré. On a eu la tour bot. Get mid lane. Je vais aller tranquillement jouer en bot lane. Et tout devrait bien se passer. Ouais, 2 secondes de CD et je suis à peu près mort en 2 secondes. Si on considère pas le poke que j'ai pris au début. On va lui laisser le farm mid, on va aller récupérer le farm bot. Allez, va mid. Ok, c'est bon. On va essayer d'aller aider la Lulu. Bon, typical joueur de support hein, qui se balade au milieu de la jungle sans vision. Et qui aura sûrement comme excuse, oui mais je déwardais. On les connaît, hein. On les connaît, ces supports, tous aussi cons les uns que les autres, qui ont les meilleures excuses pour se faire catch, alors que tout ce qu'ils font, c'est se faire catch. Ziggs to scale. Ah, Ziggs, c'est pas le meilleur scaler parmi les midlaners, mais c'est juste que bah il a un meilleur DPS que Kata, c'est tout. Juste un perso qui a un gros DPS plus des CC. Ok. Oula, c'est raté ça, Flash Shadow. J'ai même pas eu le temps de lancer un sort, quoi. Ah, c'était un Horn allié? J'étais sûr qu'il était ennemi. J'aurais peut-être pu m'en douter. Bon, dommage. J'aurais pas dû essayer d'aller aider la Lulu aussi, hein. C'était une erreur de ma part. Il y avait assez peu de chances que je puisse l'aider dans tous les cas. J'aurais dû rester au mid. Le Ziggs y est très bien. Just stay safe till he dies and we win. Genre c'est Ziggs, c'est pas un perso qui peut te choper, c'est pas un assassin qui peut te choper across the map. T'as juste à jouer safe jusqu'à ce que le Ziggs meure comme un bon ADC le ferait. Et puis c'est bon. Y'a pas à chouiner là. Putain, elle était en 6-1 la Vayne quand même. Elle était en 6-1. Maintenant elle int. Oh what? Ok, bon bah très content. Bah yes. Très content de jouer à League of Legends. La dague qui ne s'est pas ramassée, évidemment. La Lulu qui s'ulti elle-même, évidemment. Un plaisir. Ok, le Lee Sin qui joue. Je sais pas s'il peut faire quelque chose. Il y a personne qui le follow, malheureusement. Lulu, ultime me, please.
Enfin, c'est vraiment des mecs... ils ont pas envie de gagner, c'est tout. Ils préfèrent ping plutôt qu'essayer de gagner. On a l'habitude de croiser ça. J'allais dire qu'on voit pas Orn souvent dans cette game. Ok, let's go. On n'est pas très très loin du Rabadon. Il y a le Drake qui spawn, c'est un Drake de feu. Ce serait cool de le choper. Surtout que l'âme serait très très intéressante là. Pour pouvoir one-shot le Ziggs. On va pouvoir essayer de jouer autour de ça. On va laisser la Vayne dépush mid. Et nous on va essayer de dépush le bot. La Leona qui joue toute seule. Je fais gaffe quand même. Ok, très content. Je suis tout seul, c'est un plaisir. La Lulu s'ulti tout le temps elle-même. C'est vraiment un plaisir de jouer avec ce joueur de support. Lulu, please, ulti me. Putain de mongol. Ah, même Lucian est plus haut level que moi. Je sais pas trop ce que Lucian a espéré. You will carry if you are alive. Ok, let's go, j'ai bientôt mon Rabadon. Merci pour ton sub, Pawadux, deuxième mois, merci beaucoup, bro. Nice, well play, well play. J'ai un petit peu KS pour avoir le reset, mais bon, je pense que c'était worse. Non, non, fais pas ça! Non! J'avais oublié qu'on avait un Orn, du coup, bah, quand t'as un Orn, faut pas... Quand t'as un Orn, faut pas jouer... Faut pas jouer Zonia en premier, faut d'abord faire le... Oh, c'est chiant. Non... Putain, mais c'est trop chiant. Bon, après, c'est pas insanement chiant non plus, mais on perd quand même une vingtaine d'AP, je crois, un truc comme ça. C'est relou. Là, le Zonia, il l'augmente de combien? De 40? Le Zonia, il l'augmente de 25, alors que le Rabadon, il l'augmente de 55. Ouais, on perd 35 d'AP, quoi. Non, 30 d'AP, je sais pas compter. Si tu vends le Zozo et que tu undo, ça fait quoi? C'est une très bonne question à laquelle je pense que la réponse est... et que ça le laisse améliorer tout simplement. À mon avis. À mon avis. Le bait à la pink, putain, merde. Ah, mais merde. Ah, mais ils ont foncé dedans, quoi. Ils ont foncé dedans, genre. Vraiment, ils pouvaient pas faire mieux, là. Ah. Putain, flash out. Ah, merde. Ah, le gigabait à la pink, là. Évidemment, ça aussi, ça se clip, hein. N'est-ce pas? Voilà. Ils veulent le refaire ou ça se passe comment? On recommence ou c'est bon? Oh, putain. Je pensais pas lui faire autant de dégâts lui par contre.
pensais pas lui faire autant de dégâts. Putain, cette game. Merci Choupset pour le clip, bro. Ok, bon, je vais peut-être arrêter de me balader dans leur jungle, non? Ah, cette fois, il y a pensé. Mais ça ne suffira pas. Bon, ça va, au final, le level up de l'item aura pas changé grand-chose. Hein. Le passage Rabadon aura clairement fait la diff. Faut que j'arrive à Zhonya. Ah. Putain, il a été tanké, non? Ah, mon Q s'est pas lancé. Ok, c'est pour ça. My bad. Mon Q s'est pas lancé, du coup, bah, il y avait pas la dague derrière. My bad, my bad. My bad, my bad là-dessus, complètement. J'aurais clairement pu mieux jouer le move. Déjà, j'aurais pas dû me faire catch. Donc, tant pis, la game va durer un poil plus longtemps à cause de moi. Tu les supprimes IRL. Ce que je viens de voir, c'était plutôt moche, hein. Putain, il est tellement tanky. Mais tuez-le. Oh merde. Mec, il meurt pas, what the fuck. C'est exactement ça, Kourouk. Enfin, exactement ça à un niveau près. Je sais pas exactement quel niveau, mais... Mais c'est comme ça que ça fonctionne à peu près, ouais. Mais ouais, il peut upgrade deux items. Il peut upgrade deux de ses items, maximum. Il peut pas en upgrade plus, et ça les upgrade automatiquement. Et ensuite, un allié par level dans les prochains niveaux. Tu consommes des hentai? Pas du tout, bro. Pas du tout. Ah merde. Ça, il fait pas mal, hein. Il fait pas très mal, hein. Ok, on récupère des tours. Il y a la Vayne qui s'est un peu fait poke, je crois. On va essayer de récupérer l'inhib bot. La Vayne est partie au raid. Penta? Ouais, non. Ouh! Ouais, bon, le Penta, on va peut-être pas le grid à ce point, quoi. En plus, quelqu'un d'autre était mort, donc dans tous les cas, le Penta, on l'avait pas. GG! GG! HDXD considéré comme hentai. Non, c'est du giga etchi, mais c'est pas hentai. Bon, merci YouTube du coup, hein. Le gigabait, je pense aux dégâts. En vrai, je pense maintenant, je vais tout le temps y penser. Je pense que maintenant, je vais tout le temps y penser. Voilà, vous avez vu les dégâts. Merci YouTube d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye.